Si ces voyageurs sont massés dans le hall de la gare de Sens, c'est bien sûr pour lutter contre le froid, mais aussi parce que leur train pour Paris est annoncé avec 30 minutes de retard. Il n'est pas encore 6h30 et la journée commence très mal pour eux. Elle se complique encore un peu plus quand quelques minutes après, le TER direct pour la capitale est carrément annulé. Bah, je fais avec, hein, comme là, il y a des retards, vous voyez, supprimés. Donc on va attendre le prochain. C'est pour qui ce papier ? Bah, c'est pour mon employeur de la ville de Paris, pour essayer de ne pas perdre des heures. Celui que je fasse, je ne peux rien faire. Je subis comme tout le monde. En ce jour de grève, seuls 3 trains assurent la liaison pour Paris le matin. Le prochain à 7h27 est aussi le dernier. C'est un omnibus qui marquera un arrêt à chaque station. Quelques voyageurs sont équipés de vélos et de trottinettes électriques. À Paris, très peu de lignes de métro sont ouvertes. Eux pourront alors rejoindre leur lieu de travail. D'autres marcheront ou prendront un taxi si nécessaire. Ces navetteurs travaillent à Paris et doivent s'y rendre, même un jour de grève. Je suis obligée de rentrer plus tôt que d'habitude, parce qu'il n'y a pas de train. Et en plus, je suis obligée de partir plus tôt, parce que le train du soir fait beaucoup d'arrêts. Il met plus de temps. On va devoir prendre les Uber ou se débrouiller par notre propre moyen. Et pour rentrer ce soir, soit on aura de la chance et puis on va pouvoir passer en train. Sinon, on devra prendre une chambre d'hôtel. Ces navetteurs ne sont pas au bout de leur peine. Circuler à Paris et en région parisienne s'avère un véritable casse-tête aujourd'hui. Et ce soir, après leur journée de travail, leur dernier défi sera d'arriver à rentrer chez eux dans Lyon.